helping to be healed. Dans la maison du Seigneur pour partager encore l'histoire de la mort. In the house of the Lord to share about the redemption. Amen. Le dimanche, Sunday, on aura le pasteur Josué Kala. We are going to have Pastor Josué Kala. Qui viendra de la Suède. Which will come from qui viendra nous prêcher. Who will come to preach us. Chez eux là-bas, c'est les élections. There is an election. Alors, la salle qu'ils utilisent pour l'église. So the hall that they use for the church sera occupé durant les élections. Will be occupied during the election. Alors lui, il viendra ici. So he will come here. Il va être là. Il sera ici. He will be here with us. Et le 21. And on the 21st. Moi si je vais partir là-bas chez lui. And I will go there as well. Parce qu'il y a une soeur de la Finlande. There's a sister from Finland. Qui est décédée. Who passed away. C'est la femme d'un prédicateur, le frère Essa. He's a wife of a preacher. On se connaissait très bien avec elle. Brother Essa, we know it well. I know them very well. Oui, on se connaissait avec lui bien. Alors, je voulais aller là-bas aussi pour le consoler. I wanted to go there to console him. Ça sera le 21 février. It's on the 21st. Oh, pardon, le 21 septembre. The 21st of September. Amen. Bon, voilà tout. Amen. Maintenant, nous allons ouvrir nos Bibles. We want to open our Bibles. Et l'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges fussent accomplis. And one of the four beasts gave unto the seven angels, seven golden veils full of wrath of God, who liveth forever and ever. And the temple was filled with smoke from the glory of God and from his power, and no man was able to enter into the temple till the seven plagues of the seven angels were fulfilled. Béni sois-tu, Père Céleste. Et pour God, te disons merci pour ce grand privilège. Pour l'amour que tu as manifesté, Seigneur, pour nous, les avant la fondation du monde. En toi, Seigneur, tu nous as choisis. En toi, Seigneur, nous avons été prédestinés pour croire cette parole aujourd'hui. Oui, Père, tu nous as ouvert les yeux. Pendant que le monde entier attend ces choses dans le futur, mais Seigneur, tu as grandement ouvert nos yeux pour nous montrer ce qui s'est passé. Oui, Seigneur, les fléaux sont sur les gens. Les coups ont été versés. Mais personne ne se rend compte de tout ce qui se passe. Pendant qu'ils attendent quelque chose dans le futur, alors qu'ils sont dans la chose même. Voilà, Père, pourquoi nous sommes venus ici, pour te dire simplement merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Donne-nous, Seigneur, un amour spirituel, et que nous puissions être, Seigneur, en désir de saisir, Seigneur, ce que l'Esprit a dit aux églises. Est-ce que tout soit pour ta gloire, béni à lecture de ta parole, dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que ce soit béni. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec les coupes et les fléaux. We will continue with the cup of with the veil and plate. The veil, the vial. The vial and the plate. Like this. The vial and the plate. The vial. Les coupes et les fléaux.
Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 15, in the book of Revelation, chapter 15, la Bible dit, the Bible says, et l'un des quatre êtres vivants, and one of the four beasts, donna aux sept anges, gave unto the seven angels, sept coupes d'or, seven golden bells. L'un des quatre êtres vivants, one of the four beasts. Amen. Les quatre vivants, il y avait. The four beasts, they were, il y avait le lion, they were lying, il y avait le veau, there was a cow, il y avait l'homme, the ox, il y avait l'homme, the man, et il y avait l'aigle, and the eagle. Amen. Un des êtres vivants, one of the beasts, on n'a pas précisé ce qui. Even precise who. Or, vous comprenez que les quatre êtres vivants, we know those four beasts, c'est eux qui constituaient les anges d'église, are the ones that make this church ages. Parce que les quatre vivants étaient la puissance que Dieu envoyait pour combattre les quatre chevauchés de l'Antichrist. Those four beasts were the four power that God uses to fight the horses. Amen. Donc on voit les sept anges. We see the seven angels. Et les quatre êtres vivants, and the four beasts, qui ne sont que les mêmes personnes, who are the same people. Mais l'un d'eux, but one of them, donna à cet ange, gave to the seven, to seven, sept coupes d'or, seven golden bells, qui était pleine de la colère de Dieu, which was full of the wrath of God. En ce moment-là, and that, les temples furent remplis de fumée. The temple was filled with smoke. Amen. 2 Chroniques chapitre 5. 2 Chroniques chapitre 5. Lors de la construction, when they were building the temple de Salomon, the building the temple of Salomon, la nuée est venue. The cloud came. Et personne ne pouvait faire le service. And no one could have done the service. Jusqu'à ce que, parce que la gloire de l'Éternel était grande. Because the glory of the Lord was greater. Et ici on se retrouve à la fin de la construction du temple. And here we are at the end of the construction or the building of the temple. C'est-à-dire les sept âges d'église. It means the seven churches. Parce que le frère Abraham dit, my brother says, que dans la statue de l'homme parfait, in the statue of the perfect man, il dit c'est Dieu qui construisait un lieu d'habitation pour lui. He says God who was building a place of dwelling for himself. Voilà pourquoi on appelle les sept âges de l'église. That's what we call the seven churches. Qui allait depuis l'âge d'Éphèse, we started from Ephesus, jusqu'à l'âge de l'Odyssée, up to Laodicea. Et après la construction du temple, after the building of the temple, il faut qu'il y ait la fumée qui entre dans le temple. The smoke has to enter into the temple. Amen. Et cette fumée, and that smoke, c'est ce que nous appelons la pierre de fête. That's what we call the headstone. Donc jusqu'à ce que la pierre de fête, up until the headstone, puisse entrer dans le temple, enter the temple, pour amener la gloire de l'Éternel. To bring the glory of the Lord. Amen. 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 Dédicacer le temple épouse. To dedicate the temple bride. Le temple épouse. The temple bride. Donc, on dit à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. They say because of the glory of God and His power. Donc, cette fumée-là signifiait la gloire de Dieu. That's what meant the glory of God. Voilà pourquoi nous appelons ça la nuée de gloire. That's why we call it the cloud of glory. Et la nuée, and the cloud, c'est Dieu. That's God. C'est qu'il a toujours été. It's what he always did. Amen. Quand tu parles de la nuée, when you speak of the cloud, devant les enfants d'Israël, before the children of Israel, et ils savent c'est quoi, they know what it is. Et cette nuée, and that cloud, la nuit c'était une colonne de feu. At night it was a pillar of fire. Amen. Amen. Parce que Moïse, because Moses, avait abandonné la richesse de l'Égypte, and left the wealth of Egypt, pour suivre Christ, to follow Christ. Et Christ est sa question. And that Christ in question, c'était pas Jésus de Nazareth. It wasn't Jesus of Nazareth. Mais c'était la colonne de feu. But it was the pillar of fire. Amen. Qui descendait? Sur le tabernacle. That descended on the tabernacle. Dans le Saint des Saints. In the holies of holies. Et la journée. And in the day. C'était une nuée de gloire. It was a cloud of glory. Et quand le temple. And when the temple arrive à la fin. Gets to the end. La nuée redescend. The cloud has to come down. Pour la dédicace. To dedicate. Ah, et quand vous voyez la nuée. And when you see the cloud. Sachez que. Know that. Toutes les promesses. All the promises. De la Bible. The Bible. Doit être du pacte. Has to be
past. On ne peut pas attendre. We cannot wait. La continuité de la construction du tabernacle. The continuity of the building of the temple. Après l'édication. After the dedication. Bon, ça c'est pour les Congolais. That's one for Congolais. On fait l'édication. Mais la construction continue. The construction continue. Au temps de Salomon, quand on avait fait la dédication, c'était fini. It was done. Notre Dieu c'est un Dieu d'ordre. Our God is God of order. Voilà pourquoi nous disons que à la descente de la nuit, that's what we say in the coming of the cloud, tout est accompli. Everything is perfect. Amen. Frère, c'est clair, non? Brother, is it clear? Simple. It's simple. Les choses de Dieu ne viennent pas d'une manière fatale. Things of God doesn't come in a way to attract the eye. Donc on est déjà atteint de philo. Why people are waiting for the place? Ça y est déjà là. It's already there. Amen. La même chose pays avec la deuxième guerre mondiale. They when they had the Second World War, ils ont lancé la bombe de Hiroshima. Unless they threw the Hiroshima bomb. Et après, and after that, ça a laissé des dégâts. They left some problems there. Et les enfants naissent jusqu'aujourd'hui and children avec des défauts. And children are born up until now with disabilities. Et ça c'est quoi? What is that? Ce sont des fleurs. It's plagues. La majorité des maladies que nous avons aujourd'hui. So many sickness that we have today. C'est provoqué par la nourriture que nous mangeons. It's provoked by the food that we're eating. Donc les hommes, pour eux, l'argent est plus important que la santé. For men, money is more important than people's work. Is it worth it? Is it worth the nourriture? They are doing it. I'm bringing the food. Et cela donne la maladie aux gens. And that gives sickness to people. Ce sont des fleurs. Those are plagues. Et la Bible dit, and the Bible says, les oiseaux viendront, the birds will come, pour manger la chair des gens, to eat the human flesh. C'est le cancer. It's cancer. Donc le temple était rempli. Personne ne pouvait entrer dans le temple. The temple was full. No one could enter in the temple. Donc les services ne pouvaient pas être faits. The service couldn't be service. À cause de la gloire de l'Éternel. Because of the glory of the Lord. Ça devait d'abord passer. It has been passed. Donc après la descente de la nuit. After the coming of the cloud. C'est là que nous avons les véritables services. That's where we have the true service. La véritable adoration. True worship. Et la véritable prière. And the true prayer. Amen. Une prière parfaite. A perfect prayer. Comme Adam avant la chute. As Adam before the fall. Quand il priait. Il n'avait pas besoin d'intermédiaire. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin d'intermédiaire. Direct. Parce que ça qui nous a péché de parler directement avec Dieu. Oui, the thing that was stopping us to speak straight, speaking straight to God. La raison pour laquelle l'agneau était là en train d'intercéder. The reason why the lamb was there to intercede. Parce que nous étions des pécheurs. Because we were sinners. C'est quoi le péché? What sin? C'était l'incrédulité. It was unbelief. Dans les âges de Christ. In the church of Christ. Une fois que la parole est révélée. Once the word is revealed. L'incrédulité est dotée. The unbelief is dotée. Et le parfait est venu. And the perfect is come. Et après le fait de la nuit. After the coming of the cloud. Les pécheurs n'existent plus. Sinners doesn't exist. Aucun des prédestinés n'est pécheur. None of the predestinated are sinners. Amen. Amen. Yes. Et nous sommes parfaits. And we are perfect. Oh, fait. Moi je suis parfait. But I'm perfect. La Bible dit, the Bible says, c'est lui qui est né de Dieu. The one is born. The one is born of God. Ne commet point de péché. Doesn't commit sin. Parce que la semence de Dieu est en lui. Because the seed of God is in him. Moi je veux dire ça. Let me read it. Je veux dire ça. I'll read it. Moi je ne suis pas pécheur. I'm not a sinner. Tu vas dans cette église. Si vous cherchez. Le pécheur n'existe pas ici. Sinners doesn't exist here. Amen. On est parfait. We are perfect. Attends, je veux dire ça. Let me read it. Nous on appelle ça Mboni. Parce que les gens doivent croire la Bible. People have to believe the Bible. Je suis dans 1 Jean chapitre 3. I'm 1 John chapter 3. Verset
verset 6. Verse 6. Quiconque demeure en lui, whoever abide in him, ne pratique pas les péchés. Sinneth not. Amen. 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 Quiconque pratique les péchés, whoever sinneth, ne l'a pas vu, had not seen him, et ne l'a pas connu. Never known him. Or voilà, c'est comprendre. Amen. Sin is to understand. Ne peut le comprendre que celui qui a été prédestiné à le comprendre. The only person that can understand him is only the one that predestined. Amen. Amen. Si avant de le reconnaître, before knowing him, tu dois d'abord me voir. You have to see me. Après, tu me reconnais. Then you recognize. Donc celui qui n'a pas été à Dieu, the one who has never been. Mais il va reconnaître Dieu pour nous. How is he going to recognize? Pourquoi il ne le connaît pas? Because he never seen. Voilà pourquoi les gens. That's why people. Après le dessin de la nuit, after the kind of the cloud, ils attendent le lieu. They still wait for the rapture. Parce qu'ils n'ont jamais connu Dieu. Because they never knew. Après le septième jour, after the seventh, ils attendent le lieu. They are waiting for the rapture. Hey. J'ai parlé avec un frère. I was talking to a brother. Il dit non. He said no. Toi tu connais. Non. I said no. Nous attendons pas encore. We are waiting, still waiting. Moi je vous attendais quoi? I said what are you waiting for? Non, mais juste à dire que William Branham a appelé les Juifs, ça c'est trop. I have to say that William Branham called the Jews, that's too much. J'ai donné la citation. I gave the quotation. La chose qui me convainc. The thing that convinced que j'appellerai Israël aussi. That I will call Israel. Vous connaissez la citation. You know the quotation. Il m'envoie la citation. Un autre verset. He sent me another Bible verse by. Israël sera appelé. Israel will be called. Jusqu'à ce que la totalité des païens puissent. Up until the fullness of pagans has entered. Et le libérateur viendra de Sion. And the liberator will come from Zion. Merci beaucoup. I said thank you very much. La citation du frère. I took my Barbanan quotation. J'envoie. Le frère va dire. The Barbanan says. Sion a toujours été l'épouse. Zion always. The bride. Donc, remplacez X par sa valeur. Replace X, X by value. Dans la libérateur d'Israël, the liberator of Israel viendra de l'épouse. Will come from the bride. Il dit, hé! Je ne savais pas qu'il y avait des choses concernant l'Israël. Il dit, c'est bye-bye. Bye-bye. Je vais éteindre la discussion. I'm coming out from the debate. Moi, je l'ai dit, ferme les yeux à la vie. I said, they are closing your eyes from the truth. Il dit, jamais je ne vais pas libérer derrière toi. He said, never will I come behind you. Moi, je ne cherche pas les gens. I said, I don't need people. Il a fait. He went. Amen. Amen. Il dit que non, je ne veux pas perdre l'espérance. He said, I don't want to lose the experience. Moi, je sais ça, la mort, amen. I said, the hope. I said, that's death. Parce que l'espérance, because the hope, est l'ennemi de la foi. Is the enemy of faith. Quand il dit, j'espère. When you say, I hope. Donc, ça peut ou n'est pas. Might or might not. Mais la foi faith, est une substance. Amen. Quelque chose de sûr. Something real. Oh, Jésus n'a pas dit. Jesus never said. Tu verrais l'espérance. He has found experience. Oh. Jésus a dit. Jesus said. Tu verrais de la foi. He found faith. Jésus ne s'inquiétait pas par rapport à la résurrection. Jesus didn't worry about the resurrection. Comment est-ce qu'il va ressusciter? How is he going to rise? Il s'inquiétait par rapport à sa foi. He says he worried about faith. Voir Dieu le ciel humain. Seeing God in human flesh. Le Dieu est mort. The immortal God. Qui change de forme. That changes form. Donc si tu n'as pas été en lui, if you've never been in him, tu ne vas pas le reconnaître. You will never know. Les yeux fixés sur l'homme de Galilée. The eyes fixed. To the men of Galilee, which is the top of the breast serpent. And when they rose the serpent, the breast serpent, for the healing, and they started worshiping the serpent. Right. God told Moses, they do not stop. Destroy that. C'est devenu il became l'objet de l'adoration. The object of et Jésus l'a dit. And Jesus himself said, comme le serpent de l'air, as the serpent, the breast a été élevé, was brought, le fils de l'homme, the son of man, sera aussi élevé. He also became lifted. Donc regardez à ce serpent de l'air. Looking at that serpent, c'est ça le péché. That sin. Le Dieu du passé. The God of the past. Non. No. La photo du feu. The picture of fire. Ça ne vous fera aucun bien. Never do good. Mais nous voulons un Dieu réel. We want a real God. Qui est le même? Who is the same? Hier. Yeah. Yesterday. Aujourd'hui. Today. Et pour toujours. And forever. Voilà pourquoi ils ont vu Jésus. That's why they saw Jesus. Ils commençaient à citer Moïse. He started to give him Moses. Moïse nous a dit. Moses told. Mais Jésus dit. Jesus. Mais Moïse a vu mon jour. But Moses saw. Mais il s'est réjoui. But he rejoiced. Comment vous m'accusez? How can
Abraham n'a pas vu l'homme de Galilée. Abraham is the man of Galilee. Mais Abraham a vu Melchizedek. Abraham met Melchizedek. Et ce Melchizedek là, c'était incarné. He was incarnate. Dans la chair de Jésus. In the man of Jesus. Mais Abraham est seul. But the bread is not as Peter. Il regarde. Il l'a vu. Jusqu'à ce que Pierre, up until Peter, sur la montagne, in the mountain, il voit Élie et Moïse. He sees Elijah and Moses. Lui qui n'a jamais vécu à cette époque-là. He who has never lived. Mais il a reconnu Élie et Moïse. But he recognized Elijah and Moses. Comment? How? Parce que c'était un prédestiné. Because he was a predestinated. La Bible dit. The Bible says. Petits enfants. Little children. Que personne ne vous séduise. May no one seduce you. Deceive you. Or little children. May no one deceive you. C'est lui qui pratique la justice et juste comme lui-même est juste. He that does righteousness is righteous even as he is. C'est quoi pratiquer la justice? What it is to do righteousness? C'est faire righteousness. La volonté de Dieu. It's to do the will of God. Dieu n'aime pas ce qui est bon. God doesn't love what is good. Mais il aime ce qui est sa volonté. But he loves what is his will. Il a dit à Osée. Osée. Va prendre une prostituée. Go and get a prostitute. Épouse-la. Marry her. Frère. Brother. Ça, c'était un prophète. That was a prophet. Il va épouser une prostituée. Go and marry a prostitute. Après, il vient vous prêcher la parole. And come to preach the word. Vous allez dire quoi? What are you going to say? Et Osée savait que. And Osée knew. Il sera une pierre de choc, pas pour les pères. It would be a stumbling block for others. Mais lui, il regardait à Dieu. But he looked at God. Comme la foi d'Abraham. As the faith of Abraham. Et Osée avait la même foi. Osée had the same faith. Quand Dieu dit, when God said, c'est bon, it's good. Même si vous contestez, even if you are believing, c'est pas mon problème. It's not my problem. Et si aujourd'hui Dieu me dit, if today God tells me, va prendre la bière. Go and drink beer. Boire. Drink. Frère, je veux boire. Bravo. Donc, moi, mon problème, c'est Dieu. My problem is God. Dieu, c'est un Dieu de paradoxe. God is a paradox. Voilà pourquoi il faut parler de Dieu. That's what the Bible says. Que nous ne sommes pas des réformateurs. We are not the reformers. Il dit que les prédicateurs sont devenus des réformateurs. The preachers have become the reformers. Donc, ils ont fait du message. They've done the message. Comme un code d'éthique. As a code. Code d'éthique. Donc, c'est apprendre les gens à bien vivre. To teach people how to live. Ne fais pas ceci. Don't do this. Ne fais pas ceci. Don't do that. Ne touche pas ça. Don't touch this. Frère. Ici, il n'y a pas de loi. Here, there is no law. Frère, madame, il dit. Papa, madame, amenez la parole dans le cœur des gens. Take the word in the heart of the man. Pour que cette parole puisse le contrôler. So that that word can control them. Voilà pourquoi ici chez nous. That's why here. C'est la liberté. It's our freedom. Tu veux boire la bière? You want to drink beer? Va boire. Go and drink. C'est ton problème. It's a problem. Il n'y a pas de policier. There's no policy. Je suis derrière personne. I'm not behind anyone. C'est entre toi et la parole. It's you with the word. De toute façon, tu ne trompes personne. Anyway, you don't like anybody. Tu vas boire à la maison. You drink it. Tu viens ici. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu ne trompes personne. You are c'est entre toi et Dieu. Between moi, je n'ai rien à voir avec toi. I have nothing to do with it. Moi aussi j'ai ma relation avec Dieu. Me too, I have my relationship with God. Nous on ne fait pas la réformation. We are not doing the reformation. Mais nous, but us, nous mettons Dieu dans le cœur des gens. We put God in the heart of man. Amen. Que les gens deviennent de nouvelles créatures. People become the new creatures. C'est ça notre façon de faire. That's our way of doing. On ne fait pas les membres de l'église. We don't do church members. Que l'on a le message. Or in a message. On ne met pas les pantalons. We don't put church. Il n'y a aucune loi. There is no laws. Mais, but c'est lui qui a l'esprit de permettre. Oui, c'est que non, une femme ne met pas les pantalons. Vous mettez les pantalons. Parce que quand vous allez dans les toilettes publiques, when you go to the public toilets, là c'est toutes les femmes, where there's women, on a mis la chine. Côté des hommes, on the men's side, on a mis les pantalons. So, ça c'est pas moi qui ai dit ça. I didn't do that. Donc, même les hommes déterminés, themselves, they determine les habits des hommes, how men dress, et les habits des femmes. And women. Amen. Aucune loi. No law. Nous sommes affranchis. Amen. Oh, la parole. The word rend libre. Make people free. Maintenant, si la parole vient nous donner loi, if the word comes to give us the law, nous sommes libres. We are not. Mais quoi notre liberté? We are free. Amen. Je ne peux plus boire. I cannot drink. Parce que je sais que, because I know, après je vais attraper la cirrhose de foie. Then I will get this sickness. Sickness.
Après ce problème, and then we promised. Dans les paquets de cigarettes, in the cigarette pack, on a dessiné les gens, they draw people malades avec le cancer, sick with cancer, à cause de la fumée, because of smoke. C'est ce problème qui est dessiné. It's not me. C'est eux-mêmes. It's themselves. Ils ont compris que they understood. Ça crée des trucs. It destroys them. Mais si tu as laissé l'esprit, if you got the spirit of God, mais tu vas fumer pourquoi? Why are you going to smoke? Pour gagner quoi? To win what? Tu vas le boire pourquoi? Why are you going to drink? Pour gagner quoi? What? To get what? Ça c'est perdre l'argent pour rien. It's a waste of money. L'argent faut le dépenser pour la nourriture. Money you can spend on food. Parce qu'on en a besoin pour vivre. Because we need them to live. Ah, mais tout ça ce sont des frais. All these are pets. Amen. Je vais continuer la lecture. I'll continue the reading. Celui qui pratique le péché est du diable. He that commits the sin is of the devil. Amen. Le péché c'est l'incrédulité. Amen. Sin is unbelief. Frère, mais pourquoi vous buvez? Brother, say, what do you drink? Parce que vous ne croyez pas. Because you don't believe. Donc, la boisson, drink or beer, alcool, c'est juste le résultat de votre incrédulité. It's only the result of your unbelief. Tu peux ne, ou ne pas boire. You can or you cannot. You may refuse to drink. Mais but tu es incrédule. You still unbelievable. Tu es péché. You are sin. Comme les Juifs. As the Jews. Ils ne buvaient pas. They didn't drink. Ils ne commettaient pas le péché. Not committing sin. Mais quand Jésus les a regardés, il a dit, vous avez pour le père le diable. You say we have for father, your father the devil. Amen. Ils ont observé les lois de Moïse. They observe Moses' law. 10 commandements, frère. The 10 commandments. Du début jusqu'à la fin. From the beginning to the end. Mais le péché. But sins. Les jeunes riches. The young are rich. Brother. Il a dit que j'ai observé tout ça depuis ma naissance. He says, I followed all that since I was born. Et Jésus dit. Jesus said. Il demande une chose. There's one thing left. Amen. Donc après les 10 commandements. After the 10 commandments. Il lui marquait un commandement. There was one commandment. Qui est le 11e commandement. Which was 11. Tu dois abandonner. You have to surrender. Va vendre tes biens. Go and sell your goods. Et suis-moi. Abandonne toutes tes pensées. So surrender all your thinking. Tout ce qui t'a été enseigné par le judaïsme. Everything that was taught you by the Jews. Et en, dans le judaïsme. Judaïsme. Et entrer dans le judaïsme. C'était ça le péché. That was the sin. Voilà pourquoi ils ont dit Pierre. That's why we saw Peter. Quand Pierre a dit que homme galiléen. Peter said, a man of Galilee. L'homme que vous avez crucifié, the man that you crucified, Dieu a fait de lui, God has made him, Christ et Seigneur, Christ and Lord. Alors ils ont dit, oh, and so, oh, qu'est-ce que nous allons faire? What can we do? Il ne répandait pas. Il repent. Il ne buvait pas. They were not drunk. Il ne commettait pas les péchés. They were not committing sin. Mais il avait se repentir de quoi? What were they supposed to repent of? De l'incrédulité. Of unbelief. Parce qu'ils n'ont pas vu la divinité incarnée dans Jésus de Nazareth. Because they did not see the deity incarnated in Jesus of Nazareth. Amen. C'est ça le péché. That's the sin. Les fils de Dieu parient en faire de détruire les œuvres du diable. For the purpose of the Son of God. For this purpose, the Son of God was manifested that he might destroy the works of the devil. Amen. C'est quoi les œuvres du diable? What the works of the devil? C'est ce qu'il a planté dans les âges de Dieu. It's what he placed in the church age. Depuis Ephesus, since Ephesus, jusqu'à la Odyssée. Up to the Odyssée. Mais lorsque l'ange vous a dit, and when the mighty angel comes, il vient mettre le dernier ennemi. He comes to put the last enemy sous ses pieds. In under his feet. Il met fin au péché. He puts the end into sin. C'était la quatrième, le dernier but. It was the fourth purpose. De la visitation de Gabriel à Daniel. The visitation of Gabriel unto Daniel. Mettre fin au péché. And put the end unto his sin. Et le frère Branham dit. And Branham says. Ce sont les six buts de sa venue. Branham says it's the sixth purpose of his coming. Quand il vient, when he comes, il vient mettre fin au péché. Put the end unto sin. Le frère Branham dit. Branham says. Là c'est Satan qui est lié. They accept the rules bound. Vous voulez être au bas? You want to understand? Moi, je pensais que ce serait la prison de Makai. I thought maybe it would be a prison of Makai prison. Mais il dit. But he said. Allez-y voir Habakkuk 2:14. Go and read Habakkuk 2:14. Qu'est-ce qu'Habakkuk dit? What Habakkuk? La connaissance augmentera. Knowledge will grow. Satan vient mentir comme ça. Certain time alive. On les détecte. We detect it. Il va nous tourner vers Galilée. He wants to turn us back. On lui dit. He said, Dieu la chair humaine. God in human flesh. Les lots, les lots, les lots.
Today. Amen. Today. Be in jail. Now. Wuru. Lilo. Today. C'est du passé. It's past tense. Comme les disciples quand ils ont vu la montagne de transfiguration. Disciples when they saw the mountain of transfiguration. Ils avaient déjà compris. They knew qu'ils avaient déjà raté le précurseur. That they missed the forerunner. Et Jésus ne vient pas. And Jesus does not come. Sans précurseur. Without a forerunner. Et Jésus qui vient seul. And Jesus who comes alone. Sans précurseur. Without a forerunner. Ah, that's it. That's it. Simple que ça. Simple. Si on dit que Jésus vient, if they say Jesus has come, on leur montre les précurseurs. They have to show us the forerunner. Si les précurseurs n'est pas là, if the forerunner is not there, oubliez la venue du Seigneur. Forget the coming of the Lord. Qui sera le précurseur? Who will be the forerunner? Comme disait le frère Joseph. As my Joseph was saying. Baker. Mais que chacun a bâti son royaume. They all built their own kingdom. Celui qui a pu dans l'église, the one who has a big church, c'est lui le précurseur. The one who runs. Toi, nous attendons. Brother, we are waiting. Nous attendons. We are waiting. Attendez. Wait. C'est là, c'est là, on commence à nous moquer. Monsieur Panzer n'a pas de queue. The chimpanzee has no tail. Parce que quand on dissoudait les queues, because when they were shaved, c'est quelque chose comme ça. When he got there, the horse comes. Oh, man. The good person. He goes. He comes out. What do you want to say? You see where you ran? Wait. The chef. The dog came. They put the tail. Me, the family. No. He said, you wait. Hey, he said, the last tail that was there. C'était pour le singe. It was for the man. Oh, man, the singe. They put him in a long tail. A long tail. We all sorry. He said, oh, sorry. It's really wrong. He says like that. Alors, continuez à attendre. Continue to wait. Vous allez ressembler chez Panzi. You will look like this. Il est comme un singe. It's like a monkey. Mais il n'a pas de queue. My hand was here. Textuellement comme un singe. Exactly like a monkey. Parce que la différence entre le singe et le chimpanzé. The only difference between the monkey and the chimpanzee. C'est la queue. It's a tail. La différence entre nous. The difference between us et les membres de l'église and the church members, parce qu'il y a la nuée où les sacerdotes et les sacerdotes sont, nous nous sommes de ce côté, we are of this side, et les autres sont de l'autre côté, and the other one are on this side. Les mêmes promesses, same promise, la même Bible, the same Bible, les mêmes brochures, same spoken word, et ils regardent ça au futur. They are looking at you in the future. Quand ils regardent comme ça, when they're looking at you, c'est nous qui sommes là-bas. It's us who are there. Et quand on est au pied, when we talk, notre nom déjà, it's good already. Ils ont dit, c'est trop. It's enough. Bois ma position. C'est un problème de position. It's a problem of position. Amen. Six. Quand vous le trouvez, number six, when you turn it around, ça devient neuf. It becomes nine. Quatre. Four. Quand vous le trouvez, when you turn it, ça devient chaise. It becomes a chair. Donc, chaque fois que tu mets la position, only change the position. Et tu verras. And you'll see. Amen. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Whoever is born of God does not commit sin. Pourquoi? Why? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. For his seed remains in him. Nous sommes les prédestinés. We are the predestined. Quand on est prédestiné, cela veut dire que nous avons la semence de Dieu. That means we have the seed of God. Mais tu es devenu pécheur comment? Pour combien de Dieu péché? How is this? Pour quel Dieu? Bon, tu dis une chose et son contraire à la fin. C'est ça, on peut gagner ton train. Faites nous sommes les prédestinés. Nous ne sommes pas les pécheurs. Donc, tu veux simplement dire, you just want to say, tu n'es pas prédestiné. You are not predestined. Yes, sir. Les pécheurs ont existé dans les âges de l'église. The sin has existed in the church age. Quand le parfait est venu, when the perfect came, le passé a disparu. The passion has disappeared. Et si vous cherchez un pécheur, when you're looking for the sinner, il est crucifié à la croix. He was crucified. Ce n'est pas moi. It's not me.
Parce qu'il a pris ma place. Because he took my place. Et moi j'ai pris sa place. Mais si les frères me donnent sa chemise, mais moi j'ai une chemise rouge. I have a red shirt. Et lui il aura la chemise bleue. You will have a blue one. Mais comment est-ce que vous avez toujours votre chemise bleue? How can you only have a blue? Disait que Jésus a donné sa chemise. And you see Jesus has given you, Jesus has given you amen. Your shirt. Donc si on a besoin de la foi, we need faith. Voilà pourquoi. That's why. La chose principale dans la parole de Dieu. The principal thing in the word of God. C'est la foi. It's faith. Parce que les choses de Dieu ne sont pas palpables. Because the things of God are not physical. Ah oui, physical. Physical. Voilà pourquoi nous ne sommes pas des rituels comme les musulmans. That's why we are not in a ritual like music. Chaque fois de every Friday at 12. Inévitable. 1 hour. Même les devils connaissent ça. Even the devil knows that. On n'a pas des rituels. We have no ritual. Routine. Tradition. Our tradition. On n'a pas des rituels. Comme les musulmans. As Muslims. Et ils doivent mémoriser le Coran. They memorize the Quran. Après avoir mémorisé le Coran. After memorizing it. Quand ils sont là-bas. When they come out. Ils vont mettre la bombe. They're going to the bomb. Pour exercer le Coran. That for them that's a good. Amen. Après avoir lire le Coran, after reading the Quran, il va d'abord boire. They go there and drink. On n'est pas comme eux. We're not like them. Nous sommes conduits par l'esprit. We are guided by the Spirit. On fait les choses selon l'esprit. We do things according to the Spirit. Amen. Amen. Parce que Dieu sait qu'il fait avec les frères et lui. But because God, what He does with brother Elijah, il ne fera pas les frères et lui. He will not do the same with him. Avec Moïse, with Moses. C'était de faire sortir les enfants d'Israël. It was to get the children of Israel avec un bâton. With a stick. Mais avec Noé, with Noah, c'était construire l'arche. It was to build it up. Avec Jésus, Jesus, c'était monter à la croix. It was to go on the cross. Alors si Jésus dit, if Jesus said, me, je vais construire l'arche, ça ne marchera pas. It will never work. À chaque temps, Dieu a quelque chose. In every time, God has something. On ne peut pas être dans le rituel. Sinon, les Israélites seraient le code d'éthique. Because otherwise, Christianity would be like a study or a teaching or so. La Bible dit. The Bible says. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. He cannot sin because he is born of God. Donc la nouvelle naissance, the new birth, ce n'est plus moi qui vis, it's not me who lives, mais c'est Christ qui vit en moi. It's Christ, a Christ who lives in me. Amen. Amen. Je suis un gratteur, quelque part. Yeah. Et on prend les grains de blé, on plante en moi. You take the grain of wheat. Of wheat, they plant in me. Je deviens maintenant un grain de blé. I become the grain. Et Jésus est ce grain de blé. And Jesus who is the grain. Qui est la parole? Who is the word? Qui est semé dans mon cœur? Who is seed in me in my heart? Viens enlever tout la nature de péché. And remove all the nature of sin. Et me donne la nature de l'enfant de Dieu. And give me the nature of the child of God. Dans la chair. In flesh. Je serai toujours péché. I will still be sinner. Voilà pourquoi Paul dit. That's what Paul said. La chair et le sang n'hériteront point. Le royaume de Dieu. Flesh and blood shall will not inherit the kingdom of God. Amen. Donc, les promesses de Dieu, the promises of God, ne concernent pas la chair. Doesn't concern the flesh. Non, non. La chair, the flesh, est bon pour la elle est bon pour la destruction. It's good to be destroyed. Parce que la chair sont des péchés. Because in the flesh, the sin. Parce que quand je dis que je ne commets pas le péché, when I say I don't commit sin, vous vous regardez la chair. Mais ça, c'est pas moi. That's not me. Ça, c'est mon ennemi. That's my enemy. Yes, sir. Amen. Amen. Les gens vont dépenser beaucoup d'argent. People spend so many money. Pour parler sur l'ennemi. To take good care of the enemy. C'est bien, vous devriez être propre. It's good, we have to be clean. Mais c'est l'ennemi. But it is the enemy. Amen. Écoutez. Merci. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. In this, the children of God are manifested, and the children of the devil. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Whoever does not righteousness is not of God. Ni celui qui aime qui n'aime pas son frère. Neither he that loveth not his brother. Amen. Mm. Nous sommes prédestinés. We are predestinated. Mais on a des problèmes parmi nous. We have problems among us. Je n'arrive pas à aimer mon frère. I cannot love my brother. Mais je suis prédestiné. Ma business. Donc la sémence de Dieu ne part pas. The
the seed of God is not in you. Donc voilà. Now listen. Donc celui qui est de Dieu, the one is born of God, ne commet pas le péché. Doesn't commit sin. Amen. Amen. Vous croyez ça? Amen. Donc vous êtes parfait. You are perfect. Amen. Amen. Maintenant, now, ces coupes et fléaux, these veils and heads, on va d'abord les placer. They will have to place it. Parce que le frère Branham dit. But Branham says, le frère Branham donnait les plans. But Branham gave the plan or the, yeah. Il dit d'abord premièrement. He said first, des âges. Edges, sortir, or from edges comes out les sceaux, the seals, et les sceaux, and from the seals sortir comes les trompettes, the trumpets, et les trompettes, and the trumpets sortir les coupes, comes the veils, et les coupes, and from the veil. Les fléaux. Okay. Amen. Amen. Et tout ça se passe durant la période de la grande tribulation. All this is under the great tribulation. Parce que quand Jean avait vu la mer de glace, when John saw the sea of glass, yes. Frère dit, Brabant c'est parce que la parole a été retirée de la terre. It was because the word was taken away from the earth. Donc l'épouse devait monter au quatrième chapitre de l'Apocalypse. The bride was supposed to go up on the fourth chapter of Revelation. Et les fléaux et les sceaux devaient être. And the veil sur la terre. And the seals were supposed to come to the earth. Et tout ça c'est lié. All these are tied. Les trompettes. The trumpets. Les coupes. The cup. The veil. Amen les fléaux. Brings plates. Quand on verse la coupe, when they pour the veil, ce sont les fléaux qui s'abattent sur eux. It's the plates that's coming up from the up to the earth. Amen. Amen. Il dit ceci. He says this. Dans le sept âges de l'église de 54. In the church ages of 54. Et pour là il y a les sept églises. And there are the seven churches. Sept fléaux. Seven. Sept sceaux, seven seals, sept trompettes, seven trumpets. Et bien, une trompette représente une guerre. One trumpet represents one war. Un sceau, a seal. Un mystère qui se dévoile, a mystery that is being revealed. Et un fléau, c'est ce qui suit chaque guerre. And every place that follows every war. Amen. Amen. Paragraphe 54. Année 54. Il dit, avec l'aide de Dieu, avec le livre de l'histoire, je peux vous prouver que nous vivons au temps de la septième trompette. Amen. Il dit, by the help of God, and with the book of history, I can prove to you that we are living at the seventh trumpet. Amen. Nous vivons au temps de la septième trompette. We are living at the seventh trumpet. La septième trompette, ça c'est pour les Juifs. That's for the Jews. Et c'est la même chose pour nous. It's the same with us. Amen. Pour nous, c'est le septième sceau. For us, it's the seventh seal. Et la septième trompette là. And the seventh trumpet. C'est aussi le septième fléau. It's also the seventh plague. Plague. Et la septième trompette là. And the seventh trumpet. C'est aussi la septième coupe. It's also the seventh veil. C'est la même chose. It's the same thing. Il dit nous vivons au temps de la septième trompette. See, we're living at the time of the seventh trumpet. Où les septième sceau va être ouvert? Où les septième sceau doit être ouvert? Or where the seventh seal was supposed to open? To be open. La septième coupe doit être déversée. And for the seventh plate and the seventh seal to be open and the seventh veil to be poured out. Amen. Amen. Il dit ceci. Dans le septième sceau. It says in the seventh seal. Nous devons nous rappeler que we have to remember that ce septième sceau, this seventh seal, c'est la fin du temps. It's the end of the time. Amen. Amen. Frère, le mystère du septième sceau. The mystery of the seventh seal.
Voilà pourquoi les autres ont refusé l'ouverture du septième sceau. That's why so many people refuse the opening. Fait, les septièmes sceaux finissent tout. The seventh seal finishes everything. C'est pourquoi j'ai dit tout ce que nous étudions ici, c'est dans le passé. That's why I say everything we're studying here is from is of the past. C'est la fin du temps. Is the end of time. Le temps, ce n'est pas la montre, comme je l'ai toujours dit. Yes, sir. The time is not a watch, as I always say. Amen. Yes, Dieu n'a pas besoin d'une montre. The boss doesn't need a time, a watch. Le temps pour Dieu, c'est les 70 semaines de Daniel. Yes, sir. Amen. The time for God is the 60 weeks of Daniel. Il est bien Daniel. He's told Daniel. Le temps, 70 semaines a été déterminé. Yes, sir. He says the 70 weeks of Daniel is determined for your people. Donc, les enfants, ils ne regardent pas cette montre. The children of God don't look at this. Aussi belle qu'elle soit, si c'est une Rolex, de 1 million de dollars, Dieu n'a pas besoin de ça. God doesn't need that. Yes, sir. Dieu a déterminé les 70 semaines. God has placed the 70 weeks of Daniel. Et la 70e semaine, la dernière 70 weeks of Daniel, la dernière semaine, the last week, a été coupée au milieu. It was cut in the two. Où il a introduit les 7 années. Where you introduced the 7 churches. Dès qu'il finit là, finished, il revient pour finir les 3 ans et demi. He comes and finish the 2.5 years. Et c'est là qu'il va déverser tout ça. And that's where he's going to pour all of it. Parce qu'il y a une silence d'environ 10 degrés. It was the silence of above, au ciel, in heaven. Et en même temps, and the same time, les trompettes se préparaient. The trumpet was getting ready to be poured. Avant de descendre de la before the coming of the mighty angel. In Revelation chapter 10, et vous allez voir que you will see that les trompettes s'arrêtent au chapitre 9. The trumpet ended at chapter 9. La sixième trompette. The sixth trumpet. Et la septième trompette, on a déjà parlé de ça. And the seventh trumpet vous trouvez ça dans Apocalypse chapitre 11. You will find it in Revelation chapter 11. Annoncé par le septième ange. Spoken by the seventh angel. Yeah. Et la septième trompette, and the seventh trumpet, c'est Apocalypse chapitre 10. It's Revelation chapter 10. Le septième fléau, the seventh plague, c'est la pierre de Daniel. It's the stone of Daniel. Quand ça descend, when it descends, ça vient briser la statue. It comes to destroy the statue. Parce que ça c'est le dernier fléau. Because that's the last of the plague. Qui vient mettre fin. That comes to put the end. Qui vient mettre fin aux astuces de l'Antichrist. Comes to place an end au jeu de l'Antichrist. Of the games of the Antichrist. Amen. Amen. Et après le septième jour, after the seventh, la descente de la nuée, the coming of the cloud, il n'y a pas de fleuve qui arrive. There's no fleuve place coming. Amen. Amen. Parce que la maladie dans le corps, because sickness in the body, ça c'est rien. That's nothing. Le temps d'en dire, Romans says, ayez peur de celui qui détruit l'âme. You should be afraid of the one that destroyed but the body. But why does he destroy the corps? And not the one that destroyed the body. Amen. Donc, l'hybridation de la nourriture. The brain of food. Elle est moins dangereuse que l'hybridation de la parole. It's less dangerous than word of God. Voilà pourquoi le septième fléau. That's why the seventh plague. Ou la septième trompette. Or the seventh trumpet. Quand elle descend. When it's come down. Elle veut mettre fin au business. Come to put the end in business. Amen. Amen. Les business de l'église là, this church business, le septième sceau vient détruire. The seventh seal comes to destroy. Comme au temps de Fès, as in the temple. À l'âge de Fès, in Ephesus time. Pendant qu'ils avaient le temple de Diana. While they had the temple of Diana. Pour se faire de l'argent. To make money. Dieu envoie Paul. God sent Paul. Quand Paul vient, il a détruit l'entreprise. He destroyed their business. Demetrius of Demetrius, qui était le chef d'entreprise, who was the boss. Il s'est fâché contre Paul. He was angry against Paul. Et Paul son travail. And Paul is work. C'était de dire aux gens. He was to tell people. Que Diana n'est pas déesse. Diana is not the god. Qu'est-ce qu'elle détruit votre business? When they destroy your business. Cela ne regarde pas. That's it. He doesn't care. Et moi aussi comme Paul. And me as Paul. Je viens de vous dire. I'll come and tell l'église, the church, c'est un démon. It's the demon. Amen. Pas que pour le juif. For the Jews. Les démons. The devil. C'était le judaïsme. It was the Judaism. Amen. Amen. C'est-à-dire, ils avaient peur des Romains. They were scared of Romans. Mais le judaïsme était plus dangereux que les Romains. The Judaism was more dangerous. Et quand Jésus est venu, when Jesus came, il a traité les problèmes les plus dangereux. He treated the most dangerous problems. Le judaïsme. The Judaism.
des choses physiques, des physical things, et un pays naturel, et un natural, un autre pays naturel, et un autre natural, démoniaque, from the demon, from the devil, amen. Dieu, quand Jésus est venu, when Jesus came, il les a pris du judaïsme, the kingdom of Judaism, au baptême du Saint-Esprit, the baptism of the Holy Spirit, ils étaient dans la chambre haute, they were in your house, ils attendaient, they were waiting. Et lorsqu'ils étaient baptisés, when they were baptized, quand ils sont sortis, when they came out, ils étaient plus puissants. They were more powerful. C'était la même pierre. C'était les mêmes disciples. Mais avec une puissance power, plus élevée. More power, higher power. Et les gens des églises, the people of church, au lieu de suivre la lumière, following the light, ils ont commencé à les combattre. They started fighting them. Ils ont été devenus des démons. They became demons. Parce que les mots démons veut dire the word demon, ils m'ont menté là. Et tu m'as dit. Amen. Comme on dit que l'église du Dieu vivant, the church of the living God, ne persécute pas. Doesn't persecute. Mais elle est persécutée. But she's persecuted. Donc si tu es au camp, dans le camp de ceux qui persécutent, if you're in the camp of those who are persecuted, donc tu es déjà devenu un démon. That's you are already a démon. C'est ça le problème. That's the problem. Parce que les démons se produisent même dans la parole, dans les églises où nous allons. The devils, they are coming even in the church that we're living. Amen. C'est comme le verre qui va bouffer votre corps. It's like the worm qui va that will eat your body. Quand vous allez mourir, when you die, sont dans votre corps. They are in your body. Tu te promènes avec eux. Même quand tu mets des vêtements là, even if you put nice clothes, donc tu habilles tes ennemis. You are dressing your enemy. Il faut te mettre dans un cercueil. Once you put the butcher in the coffin, il va se manifester. It will manifest. Pourquoi il ne se manifeste pas? Why are they not manifesting? Parce qu'il y a la vie à ton corps. La vie est là en puissant. The life made powerless. Il faut enlever la vie. Once the life is out, et maintenant ils viennent. They come. Ils ont toujours été là. They're always there. Tu es né avec ça. You are born. C'est ça l'église. That's the church. Si tu es la vie, if you have life, l'église n'aura pas d'effet sur toi. The church will never have. Mais si tu n'as pas de vie, but if you have not life, l'église démon, devient un démon. The church become the devil. Je vous dis ce que I'm telling the truth. Ça c'est l'ennemi principal du Dieu. That is the most principal enemy of God. Amen. Amen. Nous ne refaisons pas de membres de l'église. We don't make church members. Écoutez, listen. Les choses écrites dans les livres scellés de sept sceaux qui étaient scellés. Je suis dans le septième sceau. Paragraphe 231. Je recommence. Nous devons nous rappeler que ce septième sceau, c'est la fin du temps. We must remember that this seventh seal is the end of time. De toutes choses. Of all things. C'est exact. And that's right. Les choses écrites dans les livres scellés des sept sceaux. The things written in the seal, in the seventh seal book, qui étaient scellés au sujet de la plan, du plan de la rédemption. Of the plan of redemption. Dès avant la fondation du monde. From before the foundation of the world. Tout ça s'est terminé complètement. It's very big end. Oh frère! Oh brother, nous we are waiting. Non, c'est fini complètement. It's end completely. C'est la fin. It's the end. C'est la fin de ce monde qui se débat. It's the end of the end of the struggling world. C'est la fin de la nature qui se débat. It's the end of the end. It's the end of the struggling. C'est la fin de tout. It's the end of everything. C'est là que se trouve la fin des trompettes. In there, it's the end of the trumpets. Frère, le septième sceau, c'est la fin des trompettes. The seventh seal is the end of the trumpet. Qu'est-ce qu'il appelle Israël? What's called Israel? Ce sont les trompettes. It's the trumpet. Et le septième sceau dit fin aux trompettes. And the seventh seal put end to the trumpets. Vous attendez le 144 000. And you're waiting for the 144 000. C'est à cause de ce qui vous a été enseigné dans les églises. It's because of what you've been taught in the church. Donc ça devient démoniaque. It becomes demon. Frère, ils ne sont pas morts. Brother. Mais l'écriture est claire. The scripture is clear, brother. Enlève simplement ce qu'on t'a enseigné là. Just remove what you've been taught. Tu verras que la parole est claire. And you see the word is clear. C'est la fin de la nature qui se débat. C'est là que se trouve la fin des trompettes. In there is the end of the trumpet. C'est la fin des coupes. It's the end of the verse, man. Même le coupe c'est fini. Even the verse is finished. Donc quand on dit que les troisième anges versent la coupe, when they said the seventh and the tenth angel pour out, donc toute
les coups ont été déjà déversés sur terre. Donc, si vous ne comprenez pas ça, if you don't understand it, étudiez. Really. Mais sinon, otherwise, les coups sont déjà là. Elles ont déjà été déversées à l'heure. Le problème, c'est que the problem is that l'Apocalypse, c'est un livre de symboles. Amen. Et quelque part, on dit, on a versé le feu mêlé avec le sang. The fire mixed with blood. Bon, prenez le sang physique et le feu physique. Take the physical fire and the blood. Mais le sang va sécher. Blood will dry. Vous allez mélanger ça comment? How are you going to mix it? Donc, ce n'est pas quelque chose de physique. It's not something physical. C'est spirituel. Spiritual. Amen. Et quelque part, on dit, somebody said, on a versé le sang dans la mer. The poor blood in the sea. Le sang des morts. The blood of a dead. Yeah. Le sang des morts, les noms morts. The blood of someone that was dead. Et tout le monde qui a bu le feu. And everyone that was around. Il est mort. Huh? Tout le monde a bu le feu. Everyone that drank the water mixed with the blood of a dead person. Of a dead person. Il est mort. He's dead. Or le sang. Or blood. C'est la vie. It's life. Mais il n'y avait pas de vie. There were no life. Parce que l'homme là c'était un homme mort. Because that man was a dead man. On prend son sang, on met dans le feu. Or un homme mort, a dead man, c'est un homme sans Christ. It's a man without Christ. Il vient avec une parole. He comes with a word. Il a une fausse vie. Which is a false life. Il ne veut pas le mettre dans la mer. He comes and put in the sea. Et la mer, and the sea, c'est le peuple. And it's the people. Amen. Amen. Apocalypse, c'est un livre de symboles. Revelation is a book of symbols. C'est la fin des coupes. It's the end of the cup. C'est la fin de la terre. It's the end of the earth. C'est même la fin du temps. It's even the end of time. De sa fortune. Il n'y a plus de temps. Time runs out. C'est ce que déclare la Bible. The Bible says so. Je vais lire Apocalypse au 10e chapitre. Amen. Revelation, this chapter, 10 chapter. Le verset 1 à 7. Verse 1 to 7. Amen. Quelle est cette attraction sur la montagne? What's that attraction on the mountain? C'est Dieu qui a complété sa parole. It's God's famous word. D'Apocalypse. Of Revelation. Yes, sir. 10 à 7. 10 to 7. Amen. Et quand on arrive à ça, and when we get to that, c'est-à-dire que le temps prend fin. Amen. Times ends. Donc, tout ce qui était prévu dans le temps, everything that was predestined for the time, parfait, is ends, créo, place, coupe, veils, enlèvement, rupture, quoi encore? Tout. Bref, all. Tout est accompli. Everything is being fulfilled. C'est pourquoi on avait besoin de la foi de Jésus. That's why we need the faith of Jesus. Quand Jésus était sur la croix, when Jesus was on earth, il dit tout est accompli. He says everything has been fulfilled. Il dit oh regarde-moi celui-là. He said, oh, look at qu'est-ce qui est accompli? Which is what? Et ne savait pas de quoi il parle. They didn't know what he was talking about. Même les disciples ne savaient pas de quoi Jésus parlait. Even the disciples didn't know what Jesus was talking about. Voilà pourquoi ils étaient inquiets. That's why he was worried. Or Jésus avait fait le travail, c'était fini. Jesus did his work and everything was done. Et il regarde les Romains. You look at the Romans. Ils ont dit ah. Non, le monsieur là, ce n'est pas une libérateur. This man is not a libérateur. Mais les Romains sont là. The Romans are still there. Il n'est pas libérateur. It's not, oh my God. It's not a libérateur. Frère, brother, vous êtes dans une union. Mais il n'y a pas de voiture qui roule. There are still cars around. Tout est accompli. Amen. Nous sommes un bel. Mais ça, c'est encore mieux. That's even better. Nous ne sommes même plus là parce que les fois qu'on dit nous sommes dans le 8e jour. We are not even there. Problem is we are in the 8th day. Parce que le millénaire, les fois qu'on dit le millénaire, ce n'est pas un monde parfait. Problem is the millennium is not a perfect world. Le millénaire, c'est dans les temps. Millennium is in the time. Amen. Yeah. Time element. It's a time element, yeah. Et dans le millénaire, il y avait encore des péchés. There was still sin. Le diable était lié. The devil was bound. Mais il y avait encore des péchés. There was still sin. Et dans l'arche de Noé, in the ark of Noah, malgré que tout a été détruit, but everything was destroyed. Mais la semence du serpent, but the serpent said, était dans l'arche. Was in the ark. Dans le millénaire, in the millennium, il y a la semence du serpent. There's a serpent qui est là. Who's there? Qui nous avait dit que c'était un monde parfait? Who told you it was perfect? Réétudier la parole. Read again the word.
Stagger in the world. Si non, c'est son espléo qui se bat sur lui. Otherwise, his plans, falling on. Parce que les enseignements des églises. Because church teaching. C'est un grand fléau. It's a great place. Amen. Amen. Parce que ça, on dit. Quand un messager est envoyé, et un mystère révélé, c'est sur le fléau qui arrive. C'est sur c'est la mort spirituelle. Non, frère. Non, attention avec ces gens-là. Be careful those people. Vous allez vous enfermer dans un point. You will be cornered somewhere. C'est fini, vous êtes mort. Finish your death. Parce qu'un mort dead, ne reste pas dans les gens. That's a spirit of people. Parce qu'il sent mauvais. Because it smells. Même si c'était un ami. Even if it's a friend. Mais si il ne veut pas recevoir la vie. If he doesn't take life, c'est un mort. Dead. Il faut aller l'enterrer. Yes, you can bury it. Dans la tombe. The tomb. L'église. The church. Parce que Jésus était là, dans la tombe. Jesus was in the tomb. Qui était l'église. Parce que le Pharaon nous dit que Jésus est mort Jesus, et il est ressuscité le 8e jour. And resurrected on the earth there. Durant les sages d'église, c'était la mort de la parole. It was the death of the word. Mais à la fin de cet embâche, il est sorti du tombeau. Came out from the tomb. Et si toi tu ne veux pas sortir du tombeau, and if you don't want to come out from the tomb, reste dans la tombeau, dans le tombeau, stay in the tomb, dans la tombe qui est les âges de l'église, the tomb, which is the church, and church member. The church member. Et là-bas tu vas mourir là-bas. Then you will die there. Tu vas sentir mauvais. You will smell bad. Amen. Amen. Tu vas t'isoler. You isolate yourself. Mais but il y a encore the spirit. Un passage de Jésus qui dit. Celui qui croit en moi, il est passé de la mort à la vie. From death to life. Même si tu es mort il y a longtemps, even if you're dead, you're tu es déjà mort. La chair est déjà partie. The flesh is already gone. Il ne reste que les os. Only bones. Fils de l'homme prophétise sur les os. Prophétise. Et nous allons prophétiser sur les os. Prophétise on the bones. Tu vas ressusciter. Amen. 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 Ah, oh, que Dieu soit béni. May God be blessed. Longtemps on parlait de ces choses, mes frères. Long time we were speaking this way. Faut dire, non, ça ne peut pas se faire. Brother Legend, he said, no, it cannot be possible. Quand le fils de l'homme est venu. When the son of man. Il a prophété sur les eaux. This is the boy. Faut dire, il est ressuscité. Et aujourd'hui, il fait du mal. And today, he's doing the bad. Dès qu'il est ressuscité. When he sees it was related. Il a mis le paix. Took the scope. Il a mis le paix. Carnage! Il fallait carnage au milieu. Parce qu'il a été lavé. Because it was washed. Par les eaux de la parole. By the seal of the word. Amen. Amen. Il y a encore des prédestinés dans la tombe. There's still prédestinés in the tomb. Yes. Nous sommes capables, we are able, de parler, to speak, de prononcer la parole, speak the word, et de donner la vie aux os. Give life to those dry bones. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'aime le royaume. That's why I love the kingdom. Parce que c'est simple à démontrer dans les écritures. Parce que si tu ne vois pas le royaume, if you don't see the kingdom, tu vas commencer à te gratter la tête. You will scratch your head. Mais ça, tu vas comprendre ça comment? How are you going to understand this? Tu dis les sept choses sont révélées. The seven seals is revealed. Mais nous attendons. But you still wait. Dans ton cœur, comme tu sais, in your heart, yourself, que tu t'es convaincu. You are confident yourself. Yes, tu le sais toi-même. Know it yourself. Mais tu te caches. But you hide. Donc Jésus est venu, nous attendons dans le royaume. Et tu vas aller où? Oui, mon ami. Ça, c'est une promesse du 4e jour. This is the fourth seal. C'est une promesse du 4e jour. When you say this is the fourth seal. Ah, ça, c'est les choses décapées. Ah, this is the capé. Oh. C'est le savant qui est dit. Le problème, vous savez. Capé a dit la parole. Capé a dit la parole. Si Capé l'a dit, Capé c'est. Et ça, c'est tout dans la parole. And in the word. Gloire à Dieu, mon ami. Mais ce n'est pas doctrine. It's not a carte d'autre. Le 4e jour, the fourth, c'est ça l'enlèvement. That's the ce n'est pas le 7e jour. It's not the 7th seal. Yes, sir. Et le 7e jour, the 7th seal, englobait tous les mystères. Bound all the mystery. Aucun des mystères. None of the mystery. Mais révélé. Was revealed. Si le 7e jour n'est pas encore. If the 7th seal is not open yet. Donc si tu dis le 7e jour n'est pas encore. The 7th seal is not open. Donne-moi le livre du jour. Give me the book of the seal. Oh, si on te retient le livre du sort, if they take away the book, the seal, the book of the seal, tu es comme Samson sans cheveux. Ah, you're like Samson. Yeah. No, les sept dresses de Samson partent. The seven locks of Samson is gone. Oh, si tu n'en as pas, if you don't have it, tu deviens comme un catholique. You become like a Catholic. Comme tout le monde. Like everyone.
says also, when they talk, when they say things in our news, C'est fini, tu es resté. It's finished, you're left. C'est la fin du couple. It's the end of the seal. Et même la fin de l'introduction dans le millénium. It's the end of the world and even the end of the ushering in the millennium. Tout ça, all of that, c'est à la fin du septième sceau. It's the end of the seventh seal. Si tu ne le vois pas comme ça, c'est fini. Non, c'est, like that. C'est fini. C'est fini. Maintenant, les femmes ont dit Maman, que toutes ces choses-là that all these things sont liées. Are bound. Les trompettes, the trumpets, les coupes, the verbs, et le cuir, and the plates. The plates. Ils sont tous liés. They are all bound together. Ben, je reviendrai plutôt pour, ici pour essayer de tenir une série de réunions pendant environ 10 jours. I was coming back rather to here to try to have about a 10-day meeting pour parler sur les sept derniers coups. Speak on the subject of the seven last bells. Mais entre ces coups, for in between those bells, il y a les trompettes. Is the trumpet. Amen. Donc premier coup, first. Première trompette. Deuxième coup. Second verse. Deuxième trompette. Second trompette. Donc entre les coups, between the verse, il y a une trompette, il y a les trompettes. Parce que tout ça c'est lié. But all of them are bound as tied together. Il dit lorsque je prêcherai sur ces sept trompettes. Ok. And, nous savons que les sept trompettes ont déjà été prêchées. We all know that the seven trumpets is already prêchées. Mais d'une manière surnaturelle. But a supernatural way. Parce qu'il voulait le prêcher. Because he wanted to preach. On lui a dit que tu les as déjà prêché. You've already preached. Parce que les sceaux, because the seal, englobe tout. Sorrow, all. Dans les sceaux, in the seal, il y a les trompettes. Il y a les coups. Il y a tout. Amen. Donc ça ne servirait à rien de le prêcher encore. He said it's pointless to preach it again. Il dit. Says, lorsque je prêcherai sur les sept trompettes, je les présenterai avec les coupes et les plaies, parce que c'est lié. So when I was going to preach the seven trumpets, I was surrounded the veil and the trumpets. Donc elles sont toutes liées. They are all bound together. Amen. Donc quand vous voyez les sceaux, when you see the seal, sachez que les trompettes, no, the trumpets, les coupes, the veil, les fléaux, the plaies, c'est du passé. It's past. Amen. Amen. Je vais prendre la première trompette ou le premier coup. I will take the first. Mais avant d'arriver là-bas, before getting dans Apocalypse chapitre 8, in Revelation chapter 8, la Bible dit ceci. The Bible says, et je vis les sept anges qui se tenaient devant Dieu. And I saw the seven angels which stood before God. Et sept trompettes leur furent données. And to them were given seven trumpets. Et another angel vint, and another angel came, et il se tint sur l'autel, and stood at the altar,
Il y a un encensoir dehors. Having a golden censer. On lui donna beaucoup de parfums. And they were given unto him much incense. En fait, il les offrit avec les prières de tous les saints. That he should offer it with the prayers of all the saints. Sur l'autel d'or qui est devant le trône. Upon the golden altar which was before the throne. On lui donna un encensoir. They gave him a censer of golden censer. Et on lui donna les parfums. And perfumes. Les parfums. Those perfumes. C'était la prière des saints. It was the prayer of the saints. Amen. Amen. Tout ça all of them, devant l'autel. Et ici, ce n'est pas sur la terre. It's not on earth. Ça se passe aussi. Lorsque l'épouse est enlevée, when the bride is ruptured, il dit la fumée des parfums mondains avec la prière des saints, with the prayer of the saints, de la main de l'ange of the hand of the angel, devant Dieu. Before God. Amen. Amen. Et la même coupe and same veil. Nous sommes au verset 4. Attends, je vais prendre Apocalypse. Lire la suite. Apocalypse chapitre 8, verset. Revelation chapter 8, verse. Voilà. Il y a les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparer à en sonner. And the first one, six. And the seven angels who had the seven trumpets prepared themselves to sound. Amen. Et lorsque il prend là l'ascensoir, when they take the censer, avec la prière des saints, the prayer of the saints, qui va les offrir à celui qui était assis sur le trône, offer it to the one who was sitting on the throne. Les sept messagers, les sept anges, les sept anges se préparaient à sonner les trompettes. Seven angels prepared themselves to sound the trumpet. Amen. Les premiers sonnent la trompette. The first sound the trumpet. Il y a eu de la grêle et du feu mêlé des sangs qui furent jetés sur la terre. Et les tiers de la terre furent brûlés, et les tiers des arbres furent brûlés. Et toute herbe verte fut brûlée. The first angel sounded, and there was four, there followed a hail and fire mingled with blood, and they were cast upon the earth, and the third part of the trees were burned up, and all the green grass were burned up. Amen. Donc, la prière des saints, the prayer of the saints, c'était ce qui était dans l'ascensoir. It was the one which was in the sense. C'est ça que Paul a dit dans le septième psaume. That's what Paul said in the seventh psaume. Il dit les saints sous l'autel. Bon, je commence par là. Et quand cela est arrivé, nous avons vu que quelque chose de glorieux a dû passer dans les cieux. Car les anciens, les 24 anciens, et les êtres vivants, tout dans les cieux s'est mis à crier. Digne, et voilà que les anges sont venus répandre les coupes de prières des saints. Les saints sur l'autel se sont écriés, tu es digne, ô agneau, car tu nous as rachetés. Ici, c'est vraiment des rachats. Amen. C'est au ciel. On voit les saints. Sous l'autel, ce sont des cris. Under the altar, screaming. Il y a une différence. There's a difference. Entre les saints sur l'autel, between the saints on the et les âmes sur l'autel, and the souls on the altar. Les âmes sur l'autel, c'était les Juifs. Was the Jews. Qui avaient persécuté Jésus Christ. Which persecuted Jesus. Avant, pendant la première période de la première moitié de la 70e semaine. Around the first part of the 70 weeks of Daniel. Et lorsqu'ils ont rejeté Jésus, when they rejected Jesus, ils ont été aveuglés. They were blind. Et la Bible dit the Bible says, qu'on les a donné les robes. They gave them robes. Amen. Parce qu'ils étaient sur le terre. Ils ont dit juste quand they say, tu vas venger notre sang. You going to avenge our mais ici, blood? Ce sont les saints sur le terre. And here are the saints under the altar. Qui ne crie pas vengeance, which when I'm screaming, mais qui crient digne, ô agneau, car tu nous as rachetés. By the way, shouting. Worthy are thou, O Lamb, for you. Donc, c'était les rachetés. It was the redeemer. Les gens qui étaient venus des âges de l'Église. People that came from the church ages. Il dit, et maintenant tu as fait de nous, and now you made us des rois, kings et
sacrificateur. And priest. Amen. Oh, sacrificateur veut dire sacrifice. Priest means a sacrifice. Voilà là où là, la dispensation change. That's where it's in the shift and changes. C'est dans les, nous sommes dans les parées de combien? We are on the parée de combien? Les sacrifices changent. The sacrifice changes. Il dit, ce sont les fruits de l'œuvre. He says it's the fruit of our lives. C'est ça, on dit quelque part. Non, la Bible le dit. Mais ici, here, ce sont les rois. They are kings qui sont devenus des sacrificateurs. Oui. Amen. Priests. Amen. He made us kings and priests. He made us kings and priests. Et le roi and the kings avec un petit R. With a small. Ministry. With a small king. How do you call it? Capital letter and small letter. Small K. Avec un petit R. Professor. Un minuscule. Small K. Mais lui-même, by himself, il est le roi. He is the king. Avec un grand R. With a big K. Un majuscule. With a big majuscule K. Et ceci exprime sa troisième venue. This expresses still coming. Parce que dans la troisième venue, because in the third coming, il vient comme roi et reine. He comes as king. Et l'assemblée des rois and the assembly of the king forme la reine. With the reine comes the queen. Amen. C'est un mystère. C'est un mystère. Et c'est là où maintenant Cass dit que that's what Cass says. Nous allons attendre Jésus qui viendra pour le grand mariage de la polygamie. Il n'est pas qu'ils soient nombreux. Non. Tout le monde, everyone, forme une épouse. Forme one. Les individus, les individus, ce sont des rois, they are kings. Mais lui-même là, il vient. Him, when he comes, il est le compagnon de l'épouse. He is the companion of the bride. Amen. Et le Bible dit, en l'ouverture de cette épouse, and the Bible says in the opening of the seventh seal, l'épouse connaîtra son compagnon. The bride will know his companion. Virgule, comma, la parole. The word. Amen. Parce que Jésus est la parole. Because Jesus is the word. Et quand il vient, when he comes, il vient s'incarner dans son épouse. Comes in his bride. Et quand il marche, when she walks, c'est lui. It's him. En ce jour-là, le monde me verra. The world will see. Je vous le verrai. Amen. Il est donc devenu un. They became one. Chair de ma chair. Flesh of my os de mes os. Ah non, mais vous exagérez. Jésus a dit que j'avais faim. I was hungry. M'avait donné à manger. He gave me food. J'avais froid. I was cold. M'avait couvert. You covered me. On pose la question. C'était quand? Mais lorsque vous l'avez fait au plus petit du royaume. To the smallest of the kingdom. C'est avant que vous l'avez fait. To me, you've done it. Amen. C'est ça le mystère. That's the mystery. L'époux, the bride, devient l'épouse. Become the bride. L'époux devient l'épouse. L'époux devient l'épouse. The bride become the bride. Amen. Le roi devient la reine. The king becomes the queen. Le mystère de Sphinx. The mystery of Sphinx. Sphinx. En Égypte. In Egypt. Donc c'était un lion. It was a king. Now a lion. Amen. 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 C'est la bénédiction de Jacob. It's the blessing of Jacob. Quand il bénit Judas, when he bless, il dit, Judas, Judas, tu es un lion. He said you are the king. Tu prends les genoux. Tu prends les genoux. Donc, tu t'assois. You sit on comme une lion. Like a lion. Amen. Amen. L'incarnation du lion dans la lion. The incarnation of the king in the of the c'est ça le septième souffle. That's it, the seventh. Et nous régnons sur la terre. And we shall reign on earth. Amen. Amen. Pour ouvrir, et cet temps était pour ouvrir ces livres. And to open this book. Et le premier Allah est ouvert ça sa coupe. The first one and Paul is come sur la terre. On earth. Et un des seuls malins et douloureux frappa les hommes. Qui avait la marque de la bête et qui adorait son image. Les ulcères, ce sont des maladies. Les sickness. Qui ont été déversés sur la terre. Which were prone on earth. Amen. Amen. Mais du côté des trompettes. By the sound of the trumpets. On dit maintenant les premiers sons de la trompette. They say the first sound of the trumpet. Il y eut de la grêle et du feu mêlé du sang. Amen. Qui fut
furent jetés sur la terre, et les tiers de la terre furent brûlés, et les tiers des arbres furent brûlés. Et toute herbe verte fut brûlée. Or, la trompette, c'était pour les Juifs. And that trompette was for the Jews. Lorsque la trompette sonna, cela motiva Hitler. That's motivated Hitler. Cela motiva Mussolini. Motivated Mussolini. Qui ils ont amené le feu? They brought the fire. Chambre à gaz. Yes. Ils ont tué les Juifs. They killed the Jews. Par rapport à leur identité, parce qu'ils étaient des Juifs. According to the identity, because they were the Jews. Et du côté des Gentils aussi. And to the Gentiles, right? Il y a aussi le fléau qui sont dénoncés. Also plagues. Les maladies. Sickness. De forme invalide. Say, écoutez ceci. Listen to this. Ah, je vais finir avec la première trompette. Il dit, ça a commencé à faire des trompettes. Ça, c'est la version du machine. Hein. Cherche un peu le vin. Les rassemblements d'Israël, ce sont les trompettes. Les trompettes, c'est pour rassembler Israël. Remarquez, la toute première trompette sonne. Les sangs, le feu, la graine et tout sont jetés ça et là sur la terre. Vous voyez? Que faisait-il? Il faisait sortir Israël de l'Égypte spirituelle. Mmh. Amen. Amen. Donc, les feux et les sangs ont été versés lors du son de la première trompette dans le but de faire sortir Israël de l'Égypte spirituelle. Pas cette Égypte, mais spirituelle. Voyez-vous, si. Il les ramenait dans sa patrie. When bring them to her homeland. Maintenant, remarquez. Now notice. Une trompette sonnait. Une trompette. Et c'était pour les rassembler. And it was for the gathering. Donc la première trompette qui a sonné. The first trumpet. Il y a eu de la grêle. There was hell. Du sang. Blood. Du feu. Fire. Qui ont été répandus sur la terre. Spread upon the earth. Exactement comme ce qui s'est passé en Égypte. Just exactly like it was in Egypt. Une préparation en vue de leur appeler au jour de l'expiation. Making ready to call them to the day of their coming. Amen. Donc Mussolini, Mussolini, Hitler, c'était Dieu. It was there. Cette trompette qui était sur la trompette that sounded. Les feux, the fire, mêlé de la grêle, mixed in hell. C'était pour pousser. It was to push Israël, Israel, à reconnaître l'expiation. To know. To find the atonement. Oh, la première fois là-bas, the first time they, l'expiation qu'ils avaient rejetée, the atonement that they rejected, c'était la parole fléchée. It was the word made flesh. Et aujourd'hui encore, and today, ils doivent reconnaître la même expiation. They had to recognize the same atonement. Le même Jésus, the same Jesus, manifesté dans cet âge, manifested in this age, pour qu'il soit pardonné, to be forgiven. Parce qu'il est pardon. Because the forgiveness, c'est la parole fléchée. The word made flesh. Amen. Le pardon. Ou l'expiation, ce n'est pas s'acheter et prier. Not to kneel down. Non, c'est reconnaître. It's to recognize. Pourquoi je dis ça? Why? Parce que le voleur à la croix, il n'a pas prié. Did not pray. Il a simplement reconnu. Only recognized. Il regarde son ami. He looked at his friend. Il dit, toi, 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 mais cet homme, this man, il n'a rien fait. Yeah, that man, il dit, oh Seigneur, so, oh, Lord, souviens-toi de moi. Remember me. Là, tu vas à ton paradis. Et il a été expié. Il était plus que tous les Juifs. He was more than other Jews. Sur la croix, tout le monde savait que c'était un voleur qui mourait. Yes, sir. Mais Jésus, lui, Jesus, avait déjà sauvé le voleur. Juste aujourd'hui, on l'appelle le voleur à la croix. Mais c'est le plus voleur. Vous devez changer ça. Yes, sir. Mais il va se fâcher la raison d'appeler le voleur à la croix. Il n'est plus un voleur. It's no more here. Amen. Amen. Même Abraham, even Abraham avait reconnu que le Dieu d'Israël était le Dieu puissant. C'est lui qui avait envoyé les esprits. The one who sent the spies. Donc Abraham était traître de son propre pays. He was a traitor to his own country. Amen. Et Dieu l'a béni. Parce qu'il avait reconnu. Because he recognized que le Dieu d'Israël était dans les esprits. He was in the et Israël quand elle vient, Israël, when she comes, c'est pour reconnaître la parole fléchée qui est manifestée, which is manifested à Sion. Car la pierre là, because that's la pierre de fait, the headstone, qui était la pierre de l'arbre, which was the corner.
sera à Sion. It's not place in Zion. Ça devient une pierre de la chapelle. It becomes a cornerstone. And it becomes a cornerstone. Et quelque chose de bon. Anything good come from the nation. Fait, vous savez, il n'y a pas une pierre de chapelle qu'on peut mettre devant les Juifs. There's no stumbling stone that we can put before the Jews. Comme mettre le salut de chez la nation. That's putting the salvation from the nation. Les Juifs, pour eux, nous sommes des païens. The Jews, for them, we are sinners. Dieu les a tellement confondus. God has confused them. Il prend la parole. He takes the word. Il les met chez la nation. Brings the nation. Il est comme les Juifs ont amené l'évangile chez la nation. As the Jews brought the gospel to the nation. Les nations les ramèneront tout droit aux Juifs. And the nation will take it straight to the Jews. C'est lui qui n'est pas ça qui est en train de The one who is not a handful for now. Ne voira pas. Will not believe. Parce qu'un Juif ne croit pas la nation. Because a Jew doesn't believe a nation. Amen. Une pierre de chauffe. Un rocher de scandale. A stone of scandal. Juste aujourd'hui là-bas. Up until now. Then ils construisent l'arche. Ils construisent the temple. They're building the temple. Ils attendent le Messie. They're waiting for the Messiah. Oh, le Messie est déjà venu à l'heure. Ils ont déjà manqué la chose. Allez-y maintenant là-bas. Go there now. Leur dire que le libérateur était venu de Sion. The liberator came from Zion. Frère, on va te lapider. They will stone you. Si Étienne a été lapidé. If Étienne, Stephen was. Mais pensez pas que cette pratique est abandonnée en Israël. Don't you forget. Don't parce que tu sors dans le judaïsme. They stay in Judaism. Si tu viens blasphémer, if you come to blasphemy, tu seras lapidé. You will be stoned. Amen. Une pierre de chauffement. Stumbling block. Un rocher de scandale. A rock of scandal. Amen. Je pense que je vais m'arrêter là. I think I'll stop there. Amen. Que le Seigneur bénisse. Et de la prochaine. We will continue next time with the second.